Bien, ça m'a. Bonjour tout le monde. Qu'en est-il ou ne qu'en est-il? Kenny. Je suis là, monsieur. Bien, donc, je suis là, 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 Bien, donc, on reprend notre cours de statistique. Donc, je m'excuse d'avoir annulé la dernière séance. Donc, il fallait que je prépare un peu le cours, au moins les diapos, qu'elles soient à jour. Donc, la dernière fois, nous avons commencé les représentations graphiques et nous avons vu déjà certains d'entre elles. Je vous ai présenté le diagramme en barre. Et donc, on a dit le diagramme en barre, c'est un graphique qui associe à chaque catégorie d'une variable qualitative un rectangle. Et ce rectangle, il a une hauteur ou bien une longueur égale à l'effectif ou à la fréquence. Donc, ça dépend de ce que l'on veut représenter. Donc là, je vous ai rajouté une petite rubrique utilisation. Donc, dans quel cas on utilise un diagramme en barre? C'est pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences d'une variable qualitative, peu importe qu'elle soit ordinale ou nominale. D'accord? Je vous ai dit deux remarques. Donc, la première remarque, c'est que lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative ordinale, donc l'ordre, donc ordinal, donc, l'ordre des catégories doit être respecté dans le graphique. Nous allons voir quelques exemples. Deuxième remarque, c'est que les rectangles d'un diagramme en barre sont disjoints. Ils sont séparés les uns des autres. Sinon, on va obtenir un autre diagramme qui s'appelle histogramme et la réponse sera considérée fausse. Donc, si on prend l'exemple sur le niveau d'études des étudiants inscrits dans une grande école. Donc, l'exemple sur lequel nous avons travaillé dès le début. Donc, je vous rappelle, nous sommes en train de travailler sur le cas d'une société de télécommunications. Cette société, elle compte lancer un forfait spécial étudiant. Et donc, pour cela, elle a adressé un ensemble de questionnaires à des étudiants inscrits dans des universités ou bien dans des grandes écoles. Et parmi les questions posées, il y a une question sur leur niveau d'études. Donc, il fallait cocher, est-ce que l'étudiant questionné est en niveau Bac plus 2, ou bien Bac plus 3, ou bien Bac plus 5, ou bien Bac plus 8. Nous avons déjà calculé les effectifs et les fréquences précédemment. Nous avons trouvé que 40 étudiants ont un niveau Bac plus 2, 25 étudiants ont un niveau Bac plus 3, 20 étudiants ont un niveau Bac plus 5, 5 étudiants ont un niveau Bac plus 8. On peut transformer ces effectifs en fréquences en les divisant par l'effectif total qui est de 90. Et on obtient les fréquences suivantes. Nous avons une proportion de 0,44 d'étudiants qui sont en Bac plus 2, ou bien 44% des étudiants interrogés ont un niveau d'études Bac plus 2. Une proportion 0,8, pardon, une proportion 0,28 d'étudiants ont un niveau Bac plus 3, ou bien dit d'une autre manière, 28% des étudiants sont en niveau Bac plus 3, etc., etc. Donc, nous avons déjà fait les calculs précédemment. Donc, maintenant, on doit transformer cette distribution, ou bien ces deux distributions statistiques en graphique. Donc, je vous rappelle qu'une distribution statistique des effectifs, ce sont des couples de valeurs, modalité effectif. Donc là, les deux premières lignes du tableau représentent la distribution statistique des effectifs. Nous avons
Modalité effective. Nous avons des couples de valeurs et on appelle ceci une distribution des effectifs. Si on considère la première ligne et la troisième ligne, nous avons une distribution statistique des fréquences. Nous avons les couples modalité-fréquence, modalité-fréquence, modalité-fréquence. Donc maintenant, nous avons ici une distribution statistique des effectifs, NI, une autre distribution statistique des fréquences, et on va les représenter graphiquement. Donc vous remarquez bien que un graphique, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il représente une distribution statistique. Vous avez d'une part les modalités et d'autre part les effectifs. Donc ici, nous avons la représentation graphique de la distribution des effectifs. À droite, nous avons les modalités et les fréquences que nous avons représentées graphiquement. Donc ce graphique, c'est une représentation graphique de la distribution des fréquences. Parfait. On a dit le niveau d'étude est une variable qualitative. Donc, pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences, il faut utiliser un diagramme en barre. Et qu'est-ce qu'un diagramme en barre? C'est un diagramme qui associe à chaque catégorie. Donc, ici, nous avons quatre catégories. À chaque catégorie, on associe un rectangle. Donc, le rectangle, quelle est sa hauteur ou bien quelle est sa longueur? Sa longueur, elle est égale à l'effectif, si on veut représenter graphiquement les effectifs, et elle est égale à la fréquence, si on veut représenter graphiquement les fréquences. Ça fait? Donc, par exemple, si on veut représenter graphiquement l'effectif 40 de la classe Bac plus 2, donc on doit tracer un rectangle donc de hauteur ou bien de longueur égale à l'effectif 40. Si on veut représenter graphiquement l'effectif 25 de la modalité Bac plus 3, on doit associer à la modalité Bac plus 3 un rectangle de longueur égale à 25. 25, etc., etc. Maintenant, si on veut représenter graphiquement la fréquence 0,44 de Bac plus 2, on va associer à la catégorie Bac plus 2 un rectangle de hauteur égale à 0,44. Etc. etc. Donc, nous avions fait deux remarques. La première, c'est que lorsqu'il s'agit d'une variable ordinale, il faut que l'ordre des modalités soit respecté. Et c'est bien le cas ici. Le niveau d'étude, Bac plus 2, Bac plus 4, plus 3, plus 5, plus 8, c'est une variable qui est ordinale. Donc, il faut respecter l'ordre des modalités. Il faut aller de la plus petite à la plus grande. Bac plus 2, c'est le niveau le plus bas, le plus faible. Et le niveau qui vient après, c'est Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté une flèche. Pour dire qu'il y a un ordre. Donc ici, nous avons l'ordre de quoi? Donc ici, il y a les niveaux d'études. Ça, c'est la première remarque. Donc il faut respecter l'ordre des modalités. La deuxième remarque, il faut que les rectangles soient disjoints, il faut qu'ils soient séparés l'un de l'autre, les uns des autres. Sinon, si on les colle l'un à l'autre, on obtient un autre type de graphique. Ça fait? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on remarque que la distribution des effectifs et la distribution des fréquences, elles ont la même allure, la même forme. Il y a un seul changement, c'est l'échelle, sur le mot l'étrier. Mais sinon, donc les effectifs et les fréquences ont pratiquement la même représentation graphique, ça veut dire qu'ils représentent la même information. La seule différence, c'est qu'une fréquence, c'est simplement un effectif divisé par l'effectif total. Donc maintenant, puisque on a deux outils pour représenter la même information, comme je dis les adawats, vous avez le choix. Vous pouvez représenter l'information ou bien à l'aide des effectifs, ou bien à l'aide des fréquences. Cependant, lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons, il vaut mieux privilégier les fréquences, ça fait, ou bien les pourcentages, si on veut faire des comparaisons. Est-ce que ces remarques sont claires?
Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Donc, l'exemple suivant. Donc, nous avons donc, dans, parmi les questions adressées aux étudiants, donc, il y a une question sur leur type de logement. Il y a des étudiants qui sont logés chez leur famille, donc dans le domicile familial. D'autres habitent en cité universitaire. D'autres étudiants sont en colocation, et d'autres types de logements. Donc, si on compte le nombre d'étudiants qui résident chez leur famille, donc nous avons trouvé 50 étudiants habitent chez leur famille. 20 étudiants résident en cité universitaire. 15 étudiants sont en colocation et le reste, les 5 étudiants qui restent, donc, on choisit d'autres types de logements. Ces effectifs peuvent être transformés en fréquences en divisant simplement par l'effectif total et on obtient les fréquences 0,55, 0,22, 17 et 0,06. Maintenant, comme précédemment, nous avons deux distributions statistiques. Nous avons la distribution statistique des effectifs, type de logement effectif, donc domicile familial 50, cité universitaire 20, etc. C'est une distribution statistique des effectifs. Et nous avons une deuxième distribution statistique, c'est la distribution statistique des fréquences, type de logement fréquence. Donc nous avons 55% d'étudiants résident chez leur famille, 22% en cité universitaire, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ces deux distributions statistiques en deux graphiques. Comme il s'agit d'une variable qualitative, alors on a besoin d'un diagramme en barre. Ça fait, attention, j'ai commis une erreur. Sans faire attention, j'ai commis une petite erreur dans ce graphique et je vous laisse la trouver par vous-même. Donc, il y a une petite erreur qui s'est glissée dans ces deux graphiques. Donc, si on veut représenter les effectifs, donc on a besoin d'un diagramme en barre. Ça fait. Et pour représenter l'effectif de la première modalité domicile familial que j'ai noté DF comme domicile familial, donc j'ai 50 étudiants. Il faut tracer un rectangle de longueur égale à 50. Pour représenter l'effectif 20 des étudiants qui habitent en cité universitaire, j'ai noté CU. Donc j'en ai 20. Il faut tracer un rectangle de hauteur égale à 20, etc. Donc CO, c'est pour colocation et autres. On procède de la même manière pour représenter graphiquement les fréquences et on a toujours les mêmes remarques. Néanmoins, il y a une petite différence par rapport à l'exemple précédent. Donc le niveau d'étude, on a dit qu'il s'agit d'une variable ordinale. Lorsqu'il s'agit d'une variable ordinale, il faut ajouter une flèche à ce niveau pour montrer que les modalités sont ordonnées. Or, le type de logement, c'est une variable qui est nominale. Il ne fallait pas mettre de flèche à ce niveau. Donc là, c'est juste une erreur qui s'est glissée. Je vais la corriger après. Donc, cette erreur sera corrigée. Ça fait, est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Bien. Donc, on passe à la suite. Maintenant, pour représenter les effectifs et les fréquences d'une variable quantitative discrète. Donc là, on vient de terminer avec le diagramme en barre. On passe au deuxième type de graphique, ce que nous appelons le diagramme en bâton, le Hermida. Donc le diagramme en bâton, c'est un graphique qui associe à chaque modalité donc d'une variable. J'ai encore oublié ici la remarque de la dernière fois. Donc, le diagramme en bâton, c'est un graphique qui associe à chaque modalité d'une variable discrète. Donc, ajoutez-le. D'une variable discrète. Donc, je note en même temps les informations pour les corriger juste après. Le diagramme en bâton est un graphique qui associe à chaque modalité d'une variable discrète un segment.
Quelle est sa longueur? Sa longueur, elle est égale à l'effectif ou bien à la fréquence. Donc, vous avez compris que quand est-ce qu'on l'utilise, ce diagramme en bâton, pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences d'une variable quantitative discrète. Ça veut dire, si vous utilisez ce diagramme en bâton dans d'autres données, c'est faux. Et là, je vais vous demander de faire un exercice chez vous. Donc, vous allez prendre là, prenez tous les factures de Amandis, donc qui représentent la consommation électrique mensuelle et la consommation d'eau mensuelle, et regardez est-ce que ils ont bien utilisé les bons graphiques ou non. Parce que là, vous allez voir l'évolution de votre consommation mois après mois. Donc, c'est représenté sous forme de graphique. Et vous allez voir, est-ce que les graphiques qu'ils ont utilisés sont faux ou corrects? Ça fait, donc, vous avez compris cet exercice? Oui. Donc, on prendra un. Je vous donnerai l'exemple la prochaine fois. Donc, je viendrai avec une facture à main 10 et on va voir est-ce qu'il y a des erreurs ou non. Pour commencer déjà à avoir votre propre idée de ce que vous étudiez, bien de ce que vous rencontrez dans la vie courante. Je connais comme ça ce mot de Ça fait. Maintenant, si vous prenez juste les graphiques, ils vont vous sembler corrects. Mais le sont-ils vraiment? Donc, je vous laisse chercher des factures à main 10 et d'ici lundi, nous verrons le problème, est-ce que les graphiques sont corrects ou non. Donc, prenons un exemple. Parmi les questions adressées aux étudiants, nous avions vu le besoin mensuel en volume de données. Nous avions dit que c'est une variable qui est quantitative discrète. Elle prend cinq modalités, 10, 20, 30, 40 et 50. Et nous avions déjà calculé les effectifs et les fréquences de chaque modalité. Nous avons trouvé que 15 étudiants ont déclaré avoir besoin de 10 gigas par mois. 15 étudiants ont déclaré avoir besoin de 10 gigas par mois. 17 étudiants ont déclaré avoir besoin de 20, etc. Donc, les fréquences, on peut les transformer, les effectifs sont transformés en fréquences. Donc, une proportion de 0,16 d'étudiants ont besoin de 10 gigas par mois. Une proportion de 0,19 ont besoin de 20, etc. Comment représenter ces deux distributions graphiquement? Donc, on a besoin d'un diagramme en bâton. Qu'est-ce qu'un diagramme en bâton? C'est un graphique qui associe à chaque modalité, donc ici les modalités c'est 10, 20, 30, 40 et 50, on va leur associer un segment, θ. Maintenant, quelle est la longueur de ce segment? C'est l'effectif si on veut représenter les effectifs. Donc ici, nous avons pour la modalité 10 un effectif de 15. On doit tracer un segment de longueur égale à 15. Pour 20 et 30, nous avons des effectifs de 17 et 17. On doit tracer pour 20 et 30 deux segments de longueur égale à 17, etc. Donc le même principe s'applique aux fréquences et les mêmes remarques. Vous avez la fréquence et les effectifs ont la même allure. Pourquoi? Nous avons dit que la fréquence et l'effectif présentent pratiquement la même information. Il y a une seule différence, c'est que une fréquence est simplement un effectif divisé par l'effectif total. On a fait un changement d'échelle. Rien rien masculin. Mais sinon, l'information, elle n'a pas changé. Ça fait? Donc, je crois que la dernière fois, on s'était arrêté à ce niveau. Est-ce qu'on avait commencé l'histogramme? Non. Non. Bien, donc maintenant, on va passer à l'histogramme. Donc pour résumer, nous avons vu le diagramme en barre. Le diagramme en barre, il sert à représenter les effectifs et les fréquences d'une variable qualitative, ordinale ou nominale. Le diagramme en bâton, il sert à représenter les effectifs et les fréquences d'une variable discrète. Il reste maintenant à savoir comment représenter graphiquement
les effectifs et les fréquences d'une variable continue. Pour cela, nous avons besoin d'un histogramme. Qu'est-ce qu'un histogramme? Un histogramme, c'est un graphique qui associe, et là, donc, il faut faire bien attention à cette définition. Wow. Juste une petite précision. Donc, si vous prenez le livre de Bernard Pi que je vous ai conseillé, lorsqu'il y a plusieurs types de définitions de l'histogramme. Pourquoi plusieurs types de définitions? Parce qu'il y a plusieurs manières de construire un histogramme. L'histogramme n'est qu'un brossement qui est bzaf del toro. Et puisqu'il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs définitions. Donc, il y a au moins deux définitions de l'histogramme, deux méthodes de le construire. Je vais vous présenter qu'une seule, la plus générale. On va prendre une règle dorénavant, c'est de présenter les règles qui sont générales. Mdabalé, blasme, m'chlouf, tsa facile. نعطيكم شي قواعد اللي هي كتبقى عامه ملي كنقولوا قاعده عامه يعني كنطبقوها على الحالات الخاصه العكس شنو هو العكس خصنا ندرسوا الحالات الخاصه كاملين وما عمرنا غنساليوهم دونك من الاحسن نعطيكم قاعده اللي هي عامه كتطبق على الحالات الخاصه جو ترادوي دونك il y a deux façons de procéder ou bien on va adopter une règle générale qui s'applique à tous les cas particuliers ou bien on traite tous les cas particuliers sans présenter le cas général. Donc, il y a deux manières de procéder. Je préfère la première. Je préfère vous donner une règle qui soit générale et qui s'applique à tous les cas particuliers. Au moins, donc là, si vous devez apprendre quelque chose, vous allez apprendre une seule règle et pas plusieurs. Donc, maintenant, je vous donne ma définition de l'histogramme et ma méthode de le construire. Donc, un histogramme, c'est d'abord un graphique qui associe à chaque classe d'une variable quantitative continue. Déjà, ce graphique est associé aux variables quantitatives continues. À chaque classe, on va lui associer un rectangle. Attention, ce n'est pas la même chose qu'un diagramme en barre. Donc ici, on va associer un rectangle d'air égal à son effectif. Lorsqu'on dit l'air, ça veut dire une mesure de surface. Pour le R, A, I, R, E, donc on doit tracer pour chaque classe un rectangle et l'air de ce rectangle est égal à l'effectif si on veut représenter les effectifs. Ou bien l'air de ce rectangle est égal à la fréquence si on veut représenter graphiquement une fréquence. Donc, avant de continuer la définition de l'histogramme, vous avez ici un rectangle. Donc, je vous ai écrit un petit rappel. Comment mesurer l'air d'un rectangle? Vous avez ici un rectangle à gauche de longueur grand L et de largeur pour petit L. Comment vous mesurez la surface d'un rectangle? Comment vous mesurez la surface d'un rectangle? La longueur fois la largeur. Voilà, donc tout simplement pour mesurer l'air, pour calculer l'air d'un rectangle, pour mesurer sa surface, il suffit de multiplier la longueur L par la largeur L et on obtient la surface ou bien l'air A. Ça fait? C'est bon pour ce rappel? Oui. Bien, donc je retourne à notre définition. Maintenant, donc, et puisqu'on a... Donc ici, l'histogramme est un graphique qui associe à chaque classe d'une variable quantitative continue, un rectangle d'air égal à son effectif ou bien à sa fréquence. Maintenant, j'ai besoin de connaître la longueur et la largeur. Vous êtes bien d'accord que... Vous êtes bien d'accord que pour calculer l'air de ce rectangle, j'ai besoin de connaître la longueur et la largeur.
Ça ferait mieux ou non? Oui. Donc, si je veux calculer l'aire, on a besoin de la longueur et de la largeur. Maintenant, si je vous donne l'aire et je vous donne la largeur et je ne vous donne pas la longueur, donc concentrez-vous sur ce que je suis en train de dire. Donc là, vous avez, j'ai la longueur, j'ai la largeur, je peux calculer l'aire. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vous donne l'air. Et je vous donne la largeur. Mais je ne vous donne pas la longueur. Est-ce que vous pouvez calculer la longueur? Oui. Comment faire? L'air sur largeur. Voilà. Donc, je répète. Si je vous donne l'air d'un rectangle et je vous donne sa largeur, mais je ne vous donne pas sa longueur, la longueur, on peut la calculer. C'est simplement A divisé par petit l. On divise A par L. Ça fait? Oui. Donc je reviens. C'est un peu subtil. Donc, maintenant, le rectangle que je vais associer à une classe, quelle est sa largeur? Donc, on vous dit dans la définition que la largeur du rectangle, elle est égale à l'amplitude de la classe. Ça fait? Donc, j'ai une classe. On peut calculer son amplitude et l'amplitude de la classe, c'est ce qui me donne la largeur du rectangle. Ça fait? Quelle est sa hauteur? Est-ce que je vous ai donné sa hauteur? Donc en fait, la hauteur, elle est égale à ce qu'on appelle une densité. Ça fait? Donc je vais reprendre dès le début cette définition et parce que là, malheureusement, je n'ai pas de... Ou bien on va... C'est très difficile d'expliquer certaines choses sur un ordinateur, parce qu'on n'a pas de tableau. Même si on le fait sur un tableau blanc, ce n'est pas très pratique. Donc, reprenons notre définition. L'histogramme est un graphique qui associe à chaque... Ou bien je vais me servir. Bon. Apparemment, donc, j'ai un petit problème sur mon PC. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc, l'histogramme est un graphique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qui associe à chaque classe d'une variable quantitative continue un rectangle. Donc, quelle est l'aire de ce rectangle? L'aire, elle est donnée. L'aire, elle est donnée. Elle est égale à l'effectif. La largeur, elle est donnée. La largeur du rectangle, elle est égale à l'amplitude. Ça fait? Donc, si on reprend ici le schéma, donc l'aire que j'ai appelé A dans ce rectangle, donc ici, en fait, si je prends une classe d'amplitude AI, ici, j'ai une classe d'amplitude AI. À cette classe, on veut associer un rectangle. Ça fait? Donc, la largeur de ce rectangle, c'est l'amplitude. Donc, l'amplitude AI, elle est donnée. Elle est égale à l'amplitude. Qu'est-ce qu'on vous a donné d'autre? On vous a donné sa surface, l'air. L'air, c'est l'effectif. Donc, l'air de ce rectangle est égal à l'effectif. Donc, comment calculer l'air? L'air, c'est la longueur fois la largeur. La longueur ici, je l'ai notée HI. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elle vaut. Nous avons noté la longueur HI et la largeur, c'est l'amplitude de la classe AI. Est-ce que vous êtes d'accord que si on multiplie la largeur AI par la longueur HI, on a bien l'aire NI. On a juste transformé les symboles. Je répète. Si vous avez un rectangle de longueur L et de largeur grand L, l'aire A est égale à la longueur fois la largeur. Si on vous donne la largeur et on vous donne la longueur, alors on peut calculer l'aire. Si maintenant on vous donne l'aire et on vous donne la largeur, on peut calculer la longueur. Il a été comme juste, si je vous donne deux informations, vous pouvez calculer la troisième. Appliquons ceci à notre cas.
On a dit un histogramme, c'est un graphique qui associe à chaque classe, à une classe, un rectangle. Voici notre rectangle. Dans l'air, le misahad yalo est égal à l'effectif, si on veut représenter graphiquement les effectifs, ou bien la fréquence, si on veut représenter graphiquement une fréquence. Ça fait? Donc ça veut dire, maintenant, on vous a donné l'air. Quelle est sa largeur? Sa largeur, c'est AI. L'amplitude de la classe. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que je vous ai donné HI? Est-ce que je vous ai donné HI? Pas encore. HI, est-ce qu'on peut la calculer ici? Oui. Donc, AI. Donc, HI. Donc, on divise NI par AI. Donc, HI. On divise NI par AI. Et dans le deuxième cas, HI est égal à FI divisé par AI. Ça fait? Monsieur, j'entends rien. Est-ce que le reste que tu as entendu ou là? Oui, we can smell. Oui, monsieur, je sais. شي وحده قالت لي ما كتسمع والو دونك واش بروبليم دو كونيكسيون غيكون مشكل عندها مشكليه هي دونك الا ما كتسمعليش دونك غادي نكتب لها واحد الميساج هنايا باش تعرفي ان المشكل من عندها جو ني pas de problème de son. Vérifiez votre. Donc, je reprends. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, si je reprends la définition. Donc, la variable continue, c'est la variable qui pose le plus de problèmes en statistique. Donc, pour représenter, les effectifs et les fréquences d'une variable quantitative continue, on a besoin de tracer un histogramme. Un histogramme, il associe à chaque classe un rectangle. Un rectangle d'air est égal à l'effectif si on veut représenter l'effectif, ou bien l'air est égal à la fréquence si on veut représenter la fréquence. Ça fait? Ça, c'est la première donnée. On vous a donné l'air du rectangle. Quelle est sa largeur? La largeur, elle est donnée par l'amplitude de la classe AI. Ou bien l'amplitude AI de la classe. Donc là, je vous ai donné l'air. Je vous ai donné l'amplitude. Il reste à trouver la hauteur. H comme hauteur, l'artifère, HI. Donc ici, à partir de cette formule, HI, c'est simplement NI divisé par AI. HI, c'est simplement l'effectif NI de la classe divisé par son amplitude. Si on veut représenter les fréquences, comment calculer HI? C'est FI divisé par AI. Ça fait? Maintenant, nous avons construit un nouvel objet. HI, la hauteur de la classe, bien du rectangle, c'est égal à NI divisé par AI. Comment on appelle ces deux expressions? Ben justement, on les appelle des densités. Donc la densité HI associée à une classe, on va prendre une classe XI moins jusqu'à XI plus. Là, j'ai adopté une nouvelle notation. Pourquoi j'ai mis XI moins? C'est pour dire ça, c'est la borne inférieure de la classe. Donc, je l'ai noté XI moins, moins comme inférieur. XI plus, c'est la borne supérieure de la classe. Donc, plus comme supérieur. Donc, si j'ai la classe XI moins, XI plus, donc la densité HI associée à cette classe, elle est donnée par le rapport, NLQISMA, entre son effectif NI et son amplitude AI. C'est-à-dire HI, c'est égal à NI divisé par AI. C'est ce qu'on vient de trouver ici. Donc HI, c'est l'effectif NI de la classe divisé par son amplitude. Lorsqu'on veut représenter les effectifs.
Maintenant, donc, lorsqu'on veut représenter les fréquences, au lieu de diviser les effectifs par l'amplitude, on divise la fréquence par l'amplitude. Parfait. Maintenant, on a appelé ceci une densité. Une densité. Comment traduire densité en arabe? Comment on appelle une densité en arabe? Il y a un mot de mustalah ou là? Donc, une densité, c'est le katafa. Voilà, donc j'ai récupéré mon tableau blanc. Donc, la densité, donc vous avez déjà entendu à peu près donc, d'un terme qui ressemble à ce terme. Donc, densité en arabe, ça veut dire le katafa. Vous savez déjà la notion de densité d'habitation, le katafa soukaniya. Est-ce que vous savez la calculer? Une densité. Une densité d'habitation. Le katafa soukaniya. Donc, si vous prenez une surface, vous avez une surface qui fait 1 km carré. Donc, vous avez ici 1 km et vous avez ici 1 km. Donc, quelle est la surface de cette zone? Donc, la longueur fois la largeur, 1 fois 1, c'est 1 km carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 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 Largeur fois. Donc, comme, voilà, donc là, j'ai une surface. Oui. De 1 km par 1 km, donc j'ai une surface de 1 km carré. On va compter le nombre d'habitants sur cette surface. Donc ici, j'ai par exemple 1 habitant, 2 habitants, 3e, 4e et 5e. Ça fait? Ici, j'ai combien? Donc la densité d'habitation, c'est comment on la calcule? Qui va calculer le katafa soukaniya? Donc le. La densité d'habitation, en fait, c'est le rapport entre deux choses. C'est le nombre, nombre d'habitants, divisé par la surface. Sur. Bien sûr. Donc ici, dans cet exemple que j'ai, donc j'ai combien d'habitants sur cette zone de 1 km carré? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et donc j'ai 5 habitants et la surface elle fait combien? 1 fois 1 c'est 1 km. Donc là j'ai 5 habitants par kilomètre carré. Supposons que je suis maintenant dans une ville, donc on va supposer que ce rectangle il se situe dans une campagne. Maintenant si vous prenez une ville, vous prenez une zone de 1 km carré. Donc vous avez ici 1 km de longueur, 1 km de largeur. Donc vous allez trouver combien d'habitants par kilomètre carré? Vous avez trouvé sur 1 km carré beaucoup plus d'habitants qu'en campagne. Ça ferait une aille. Filmdina? Oui. Le message a dit le kilomètre morbide, le carré de ce qu'on a dit. Donc là, si vous calculez cette densité d'habitation en ville, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ici, j'ai 14 habitants par kilomètre carré. Donc la notion de densité que je vous ai présentée ici. Donc cette notion de... Je vais prendre le micro. Hafsa. Bien. Donc cette notion de distance que je viens de vous présenter ici, donc elle permet en fait de comparer le nombre d'habitants sur une zone de 1 km carré dans deux endroits différents, par exemple ici en campagne, ici en ville. Safi Femtsou, est-ce que vous avez compris cette notion de densité?
En démographie. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, on va représenter cette notion de densité, mais en statistique. Lorsque je vous ai donné la définition, une densité HI, nous avons dit que c'est l'effectif NI divisé par l'amplitude AI. Donc maintenant, regardez, est-ce que ici j'ai une surface? C'est une longueur. Oui. Donc en fait, c'est comme si j'avais une longueur. Donc ici, j'ai une classe. XI, donc la borne inférieure, c'est XI moins. La borne supérieure, c'est XI plus. Et l'amplitude de cette classe, c'est AI. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le nombre d'individus et on l'a divisé par l'amplitude. Ou bien dit d'une autre manière, on veut chercher dans cette amplitude combien j'ai de personnes. Dans le cas d'une densité d'habitation, qu'est-ce qu'on dit? On va compter le nombre de personnes par kilomètre carré. Ici, en statistique, on va compter le nombre d'individus dans cette distance. Et on appelle ceci une densité. Donc, on a toujours cette notion de densité. Ça fait. Sauf que là, en statistique, on l'appelle densité d'effectif. Pourquoi? Parce qu'on va diviser l'effectif par l'amplitude. On peut aussi diviser la fréquence par l'amplitude et on appelle ceci une densité de fréquence. J'ai essayé de vous approcher du sens, du vrai sens de densité. Ce n'est pas la même chose qu'en démographie, le nombre d'habitants par kilomètre carré, mais j'ai essayé de faire une certaine analogie. Lorsqu'on mesure une densité en démographie, on divise le nombre d'habitants par une surface. En statistique, on divise le nombre, qui est l'effectif, par l'amplitude de la classe. Ça fait, on veut chercher dans cette classe, j'ai combien d'individus? Et on peut l'élargir à la notion à la fréquence. Ça fait? Donc, je retourne donc à notre cours. Donc, la densité HI associée à une classe XI moins XI plus, c'est le rapport entre l'effectif NI et l'amplitude AI. Donc, HI est égal à NI divisé par A. Ou bien, lorsqu'on veut représenter graphiquement les fréquences, on divise la fréquence par l'amplitude. Et vous avez compris cette formule, comment nous l'avons trouvée. On vous donne la surface qui est égale à l'effectif. On vous donne l'amplitude AI. Et pour calculer HI, il suffit de diviser NI par AI. Et lorsqu'on divise NI par AI, c'est exactement ce qu'on appelle une densité que nous avons notée HI. Pourquoi nous l'avons noté HI comme hauteur? Ça fait? Est-ce que c'est un peu clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, donc ne vous inquiétez pas, donc ce sera encore plus clair sur des exemples. Donc, quand est-ce qu'on utilise cet histogramme? Bon, en fait, on l'utilise pour représenter les effectifs et les fréquences d'une variable quantitative continue. Et il faut faire attention, les rectangles d'un histogramme, ils sont juxtaposés. Il y a une classe. Lorsqu'il s'agit d'un diagramme en barre, floul, nous avons vu que lorsqu'il s'agit d'un diagramme en barre, les rectangles sont disjoints. Il y a des mustatilats mutafarriqin. Lorsqu'il s'agit d'un histogramme, les rectangles sont joints, ils sont juxtaposés. Il y a une jenben ila jenben tlasqin. Ça fait? Je sais que ce n'est pas encore trop clair. Prenons un exemple. Donc, nous avons travaillé sur notre variable quantitative continue, les durées d'appel en heures. Donc, parmi les questions adressées aux étudiants, leurs besoins en durée d'appel. Donc, nous avions des classes. La première classe, c'est la classe 04. Donc, l'effectif est égal à 20. Donc, 20 étudiants ont déclaré avoir besoin de 0 jusqu'à 4 heures d'appel par mois. C'est le sens de 20.
24 étudiants ont déclaré avoir besoin de 4 à 8 heures d'appel par mois. 34 étudiants ont déclaré avoir besoin de 8 à 12 heures d'appel par mois, etc., etc. Nous avons déjà fait ce calcul précédemment. Ça fait? Quelle est l'amplitude de la classe 0,4? L'amplitude, je vous rappelle la formule, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. 4 moins 0, c'est 4. C'est 4. Donc maintenant, si on veut calculer la densité HI, par définition, la densité HI, c'est l'effectif divisé par l'amplitude. L'effectif 20 divisé par l'amplitude 4, c'est égal à 5. Parfait. On passe à la deuxième classe. Donc l'effectif de la deuxième classe, de la classe 4-8, c'est 24. Quelle est l'amplitude de cette classe? 8 moins 4. Et 8 moins 4, c'est 4. Lorsqu'on veut calculer HI, on divise les effectifs, donc l'effectif 6 par l'amplitude 4, et 6, et 24 par 4, c'est égal à combien? 24 divisé par 4, c'est 6. Donc, passons à la troisième classe. Son effectif est de 34. L'amplitude de la classe, c'est 4. Et 34 divisé par 4, c'est 8,5. Quatrième classe, son effectif est de 7. Son amplitude est de 4. 7 divisé par 4, c'est 1,75. Dernière classe, effectif égal à 5, amplitude égale à 4, et 5 divisé par 4, c'est 1,25. Qu'est-ce qu'on a fait ici? La première chose, nous avons transformé les effectifs en densité. Nous avons divisé chaque effectif par l'amplitude de la classe correspondante. Dans ce cas, nous avons les classes, elles ont toutes la même amplitude 4, donc on a divisé toutes les amplitudes par 4, et voici le résultat. Ça fait? Maintenant, on va procéder à la construction de l'histogramme. Prenons la première classe 0,4. Pour la classe 0,4, ici, on doit tracer un rectangle. Quelle est sa largeur? Sa largeur est donnée par l'amplitude de la classe, 4. Donc, vous voyez bien que pour aller de 0 jusqu'à 4, j'ai ici, une amplitude de 4, c'est la largeur de mon rectangle. Quelle est sa hauteur? Donc, la hauteur, on l'a calculée, c'est la densité HI. On l'a calculée pour la première classe et nous avons trouvé 5. Ça fait 5. 5. Donc, vous avez une largeur 4, une hauteur de 5. Maintenant, calculez-moi la surface de ce rectangle. 20. Vous avez une largeur de 4 fois une longueur de 5. 4 ouais. fois 5, c'est 20. Et 20, c'est l'effectif de la classe. Ça fait? Bien. Passons à la deuxième classe. Donc, pour la deuxième classe, la classe 4-8, on va tracer un rectangle. La largeur de ce rectangle est égale à l'amplitude de la classe. Ça veut dire qu'il va aller de 4 jusqu'à 8. Voici la largeur. De 4 jusqu'à 8, j'ai une largeur de 4. Quelle est sa hauteur? Sa hauteur, on l'a calculée déjà. C'est 6. Donc, la hauteur, elle est égale à 6. Donc, quelle est la surface de ce rectangle? 4 multiplié par 6, c'est 24. Et 24, que représente 24? L'effectif de la classe. C'est l'effectif de la classe. Et la même chose pour la troisième classe. Quelle est l'amplitude de la troisième classe? C'est 4. Donc, pour la classe 8-12, on doit tracer un rectangle de largeur égale à l'amplitude, ça veut dire 4. Et quelle est sa hauteur? La hauteur HI, on vient de la calculer. C'est 34 divisé par 4, c'est égal à 8,5. Maintenant, si vous calculez, si vous mesurez l'aire de ce rectangle, donc 4 fois 8,5, vous allez trouver 34. Et 34, c'est l'effectif. Et ainsi de suite. Est-ce que, donc maintenant, si je reprends la définition de l'histogramme,
vous allez retrouver ces éléments. Il y a un histogramme, c'est un diagramme qui associe à chaque classe d'une variable quantitative continue un rectangle d'air égal à l'effectif. On a remarqué que la surface du premier rectangle est égale à son effectif, l'air du deuxième rectangle est égal à l'effectif, etc. La largeur, elle est égale à l'amplitude de la classe, 4, 4, 4, etc. Et la hauteur, on l'a calculée par HI, qui est la densité. Et comment on l'a obtenu? On a divisé NI par l'effectif, par l'amplitude, pour obtenir la hauteur. Ça fait? Et remarquez bien que les rectangles sont juxtaposés. Il ne faut pas y avoir de vide. Mais qu'est-ce que je vais faire parce que la variable elle est continue. Il n'y a pas de vide à l'intérieur. Ça fait. Est-ce que c'est clair pour cette première présentation? Oui. Oui, c'est clair. Donc là, maintenant, on fait de la même manière. On vient de représenter ici graphiquement les effectifs NI. Pour représenter graphiquement les fréquences, on procède, on suit exactement la même méthode. Il a brûlé le matelot, les fréquences. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence d'abord par transformer les fréquences en densité, HI. Par définition, HI, lorsqu'on veut représenter graphiquement les fréquences, ce sont les fréquences divisées par les amplitudes. Si vous divisez la fréquence 0,20 par l'amplitude 4, vous allez trouver 0,057. Si vous divisez la fréquence 0,27 par 4, vous allez trouver 0,0675, etc. Maintenant, pour représenter ces éléments graphiquement, on procède comme précédemment et voici le résultat. Qu'est-ce que vous remarquez? Le même, vous avez pratiquement le même graphique. Ici, vous avez le graphique des fréquences et ici, vous avez le graphique des effectifs. L'histogramme, il a la même forme et vous savez maintenant pourquoi. Parce que l'effectif et la fréquence donnent pratiquement la même information. Ça fait? Maintenant, je vais vous poser une question. Quelle est la surface, ou bien quelle est l'aire du premier rectangle ici? Donc, vous avez une largeur de 4. Donc, de 0 à 4, j'ai une largeur de 4. Multiplié par une hauteur de 0,055. Si vous multipliez la largeur par la longueur, vous avez 0,20. L'air est égal à la fréquence 0,22. Ça fait? Si vous passez à la deuxième classe, vous multipliez la largeur 4 par la hauteur 0,0675, vous allez trouver 0,27. Maintenant, si vous calculez la somme des aires, et là, c'est plutôt l'air du premier rectangle, plus l'air du deuxième rectangle, plus l'air du troisième, etc., combien vous allez trouver? Très bien, vous allez trouver 1. Pourquoi? Parce que nous avons simplement fait la somme des fréquences. Donc, l'air du premier rectangle, c'est la première fréquence. L'air du deuxième rectangle, c'est la deuxième fréquence, etc. Et la somme des fréquences est égale à 1. Ça fait? C'est la raison pour laquelle je vous ai présenté cette méthode. Cette méthode, la méthode que je viens de vous présenter, elle consiste en quoi? Donc, vous allez commencer par transformer les fréquences en densité et les effectifs en densité. Vous commencez d'abord par diviser tous les effectifs par l'amplitude. Et vous divisez toutes les fréquences par les amplitudes. Ça veut dire qu'on calcule les densités. Au lieu de travailler avec les effectifs et les fréquences, on va les transformer en densité. Femtou hadd marhala l'oula ou la la? Marhala l'oula, quand on veut tracer un histogramme, on commence par transformer les effectifs, on commence par calculer les densités HI. Ça fait?
On vient de remarquer que grâce à cette méthode, la somme de la surface ici est égale à 1. Ça me donne une fréquence. Ça fait? Donc, en fait, il y a une autre méthode que je ne vous ai pas présentée ici. L'autre méthode, elle consiste, ou bien comment on fait? Dans l'autre méthode, vous pouvez la voir dans le livre de Bernard Pi. On commence par comparer les amplitudes. Dans notre cas, nous avons 5 classes de même amplitude 4. Les amplitudes, les classes ont la même amplitude 4. Mais dans des exercices, ce n'est pas toujours le cas. On risque d'avoir des amplitudes qui n'ont pas la même amplitude, des classes qui n'ont pas la même amplitude. Ça fait, ceci n'est pas un problème. Sauf que l'autre méthode que je ne vous ai pas présentée, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut d'abord commencer par comparer les amplitudes. Et là, vous avez deux situations. Comme je dis, ou bien toutes les amplitudes sont identiques, comme ici. On va procéder d'une certaine manière. Si les amplitudes sont identiques, on doit procéder d'une certaine manière. Et si les amplitudes sont différentes, on va procéder d'une autre manière. Ça fait, c'est bien ou là? Il y a une autre manière de mettre le conseil. Qu'est-ce que tu veux dire? Ou alors, quand on parle des amplitudes, il y a une autre manière. Il y a une autre manière. Donc, cette méthode, je ne voulais pas présenter. Je vous ai présenté cette méthode que je considère la plus simple. La manière est simple. Quelles que soient les amplitudes, quand je calcule les amplitudes, la première chose, vous calculez les densités. Ou la première chose que vous faites. Une fois que vous avez la densité, dans la densité HI, elle vous donne. Je vais prendre le micro. Couper le son. Bien, tu te souviens d'abord là? Oui, c'est un peu. Est-ce qu'il y a un peu de son? Arrêtez, donc, écoute le son, je coupe le son. Il y a un peu de son, il y a un peu de son. Non, non, il y a un peu de son, il y a un peu de son, il y a Abdelkarim Zakaria. Il y a un peu de son. Abdelkarim Zakaria. Donc, il y a un peu de son. ماشي هو استاذ ندى بوستاتي وقيلا هي اللي كيطلع من الصوت انا شي وحده في كوزينه ولا ما نعرف كاين ما كيعطينيش واخا ما كيعطينيش الميكرو ها هو قطعته ولا دابا مزيان ماشي مشكل دونك مساله عاديه ما عندنا ما نعملو مزيان دونك جو ريزوم راني عارف دابا هاد ليستوغرام دونك سي ان بو ديليكا جيسبر كو افيك سيت اكزومبل اي دوفوني كلير دونك لا كونكلوزيون Ce que vous allez retenir concernant l'histogramme, c'est que vous avez au moins deux manières de le construire. Je vous ai présenté une seule. En quoi consiste cette méthode? On calcule toujours les densités. Pourquoi on calcule les densités HI? Parce que c'est la densité qui va vous donner la longueur, la hauteur des rectangles. Avec la densité HI, il reste comme le chiffre. La largeur ne pose pas de problème. Elle est donnée par. La largeur ne pose pas de problème parce qu'elle est donnée par. Par l'amplitude de la classe. Donc, là, bien. Donc, je répète, pourquoi je préfère cette méthode? Parce que la densité HI, elle vous donne directement la hauteur du rectangle. Et lorsque vous avez la hauteur que vous multipliez par la largeur, vous avez ici une fréquence. La surface, ou bien l'aire du rectangle, est, mesure à la, est égale à la surface, à la fréquence.
صافي. دوزيام ريزون سي كو سيت ميثود سيت دوزيام ميثود elle est compatible avec le cours de probabilité que vous allez voir au deuxième semestre. Cette manière que je vous donne d'abord, c'est le message avec le cours de l'estimation que vous allez voir après. Alors, je vous donne ça. L'autre méthode, elle est en contradiction avec le cours de probabilité. Pourquoi? Je vous donne le cours d'abord. C'est que la somme des probabilités, il faut qu'elle soit égale à 1 comme pour les fréquences. Le cours de l'estimation, ça veut dire que c'est un peu comme la fréquence. Et donc, c'est cette méthode qui vous permet d'avoir une somme de probabilités égale à 1. Donc là, ça justifie pourquoi je vous ai présenté cette méthode et pas une autre. Ça fait ? Mais l'autre méthode reste aussi correcte. Ça l'aura qu'à ce pas. Est-ce que c'est un peu clair pour cette notion d'histogramme ? Oui, clair. Bien. Oui, monsieur. Donc je sais que donc je vais résumer un peu ce que nous sommes en train de faire. Pour ne pas se perdre, je m'appelle Fouché. Donc faites attention juste, je ne l'ai pas précisé. Donc regardez les entêtes. Nous sommes en train de faire les représentations graphiques et on vient de terminer l'histogramme. Donc et juste avant, qu'est-ce que nous faisions? Nous avons qu'on a qu'une chauffe. Donc, nous avons une représentation graphique. Et ici, nous avons un diagramme en bas. Donc, ici, vous avez le plan de la présentation. Je mets qu'il faut que j'aille dans le cours. Vous avez un diagramme en bas. Il faut représentation graphique, diagramme en bas, diagramme en bâton, et histogramme, etc. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Donc, nous sommes en train d'étudier la statistique descriptive et le rôle ou bien l'objet de la statistique descriptive. C'est de résumer un grand ensemble de données à l'aide de graphiques et à l'aide d'indicateurs numériques. Donc, on est passé d'une série statistique brute au début, quand c'est de la série statistique brute, que nous avons transformée, rappelez-vous, donc nous avions au début des séries statistiques brutes, qui fait Mahadi, que nous avions transformé en série statistique coordonnée, puis cette série statistique coordonnée, on l'a transformée en distribution statistique des effectifs et en distribution statistique des fréquences. Ensuite, on a tout transformé en tableau statistique. On a remarqué que dans un tableau statistique, nous avons tout ce qu'il faut concernant les modalités. Vous avez les effectifs, les fréquences, les effectifs et les fréquences cumulées. Et on a dit la dernière fois qu'on peut se poser pratiquement n'importe quelle question, la réponse se trouve dans le tableau statistique. Et là, la seule fois, l'autre, qu'on a toutes les réponses se trouvent dans le tableau statistique, sauf quelques-unes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vu comment représenter graphiquement les effectifs et les fréquences. Je fais une hache qui va chercher les effectifs et les fréquences. Pour le cas d'une variable qualitative, nous avons utilisé un diagramme en barre pour représenter les effectifs et les fréquences. Pour le cas d'une variable discrète, nous avons utilisé un diagramme en bâton. Et pour le cas d'une variable continue, nous avons tracé un histogramme. Et comment tracer un histogramme? La première chose, il faut calculer les HI. Il faut diviser les effectifs par les amplitudes. Il faut diviser les fréquences par les amplitudes. Et il ne reste plus qu'à tracer les rectangles. Maintenant, il reste à représenter graphiquement les effectifs et les fréquences cumulées. Ça fait. Pour ceci, on a besoin de ce qu'on appelle les courbes cumulatives. Donc le diagramme, ou bien le graphique, s'appelle maintenant courbe cumulative. Et le munhana tarakomi. Donc on va y arriver. Voilà. Donc maintenant, on arrive aux courbes cumulatives. Donc qu'est-ce qu'une courbe cumulative?
Donc il y a encore des erreurs ici à corriger. Donc il faut barrer le S. La courbe cumulative est un graphique qui associe à chaque modalité d'une variable quantitative son effectif cumulé ou sa fréquence cumulée. Ça fait. Donc on va représenter donc la courbe cumulative. Sembloni d'abord. Oui. Oui monsieur. Il y a un problème de connexion, donc oui. Je vais partager. Bien. Donc on était en train donc de présenter donc la courbe cumulative. Qu'est-ce qu'une courbe cumulative? Cumulative comme cumulée. Donc pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences cumulées. On a besoin de ce qu'on appelle courbe cumulative munhana tarakum. Ça fait définition. Donc la courbe cumulative est un graphique qui associe à chaque modalité d'une variable quantitative. Et regardez, j'ai précisé quantitative. On va voir pourquoi. Son effectif cumulé ou bien sa fréquence cumulée. Pourquoi en fait on s'intéresse simplement à des variables quantitatives alors qu'on veut représenter les effectifs et les fréquences cumulées? Quand est-ce que déjà, dans quel cas on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées? C'est ce qu'il y a. Quand est-ce qu'on calcule ou bien quand est-ce qu'on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées? Pour ça, je vais vous dire. Il y a une condition. Il faut qu'il y ait un ordre dans les modalités. Et quand est-ce qu'on a un ordre dans les modalités? Pour ça, je vais vous dire. Donc, on a de l'ordre lorsqu'une variable est quantitative. Elle est représentée par des nombres. Et les nombres, par définition, sont ordonnés. L'adad. Et on a de l'ordre lorsqu'il s'agit de variables qualitatives ordinales. Rappelez-vous, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? On peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées dans le cas d'une variable quantitative, discrète ou bien continue, et dans le cas d'une variable qualitative ordinale. On ne peut pas calculer les effectifs et les fréquences cumulées dans le cas d'une variable qualitative nominale. Oui, monsieur. Ça, c'est pour le calcul. On peut calculer, je répète, on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées dans le cas d'une variable quantitative et dans le cas d'une variable qualitative ordinale, parce qu'il y a de l'ordre. Quand il s'agit de variables qualitatives nominales, il n'y a pas d'ordre possible, on ne peut pas calculer les effectifs et les fréquences cumulées. Ça fait? L'exemple, je ne vois quel mitel. Est-ce qu'on peut dire le nombre d'étudiants qui préfèrent au plus le rouge? Je ne peux pas dire que les étudiants qui préfèrent le plus le rouge. Ça n'a aucun sens. Mais c'est un mal. Donc en fait, lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative nominale, les effectifs et les fréquences cumulées n'ont aucun sens. Bien. Et pourquoi ici, en fait, on a dit la courbe cumulative est un graphique qui associe à chaque modalité d'une variable quantitative son effectif cumulé ou sa fréquence cumulée? Pourquoi on n'a pas parlé de variable qualitative ordinale? En fait, simplement parce que ce graphique n'a pas de sens lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative ordinale. Lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative ordinale comme par exemple le niveau d'études, on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées, mais en général, on ne les représente pas graphiquement, ça n'a pas de sens. Mais qui concerne de واحد المعنى هذاك المنحنى فهمت شنو كنقصد ولا لا؟ كتسمعوني ولا لا؟ وي مسيو كنسمع.
تما كان الكاميرا قليل اللي شعل الكاميرا دونك ما كنشوفش ما كنعرفش واش كاين كونيكسيون ولا مشات مزيان ماشي مشكل دونك غادي نكملوا دونك جو ريبيت راه كاين شي مسائل اللي خصنا واخا كتبان بسيطه خصنا نضبطوها دونك جو ريبيت lorsqu'il s'agit d'effectifs et de fréquences cumulées on peut les calculer dans le cas d'une variable quantitative et dans le cas d'une variable qualitative ordinale علاش pourquoi parce qu'il y a un ordre on ne peut pas les calculer dans le cas d'une variable qualitative nominale parce qu'il n'y a pas d'ordre lorsqu'il s'agit de les représenter graphiquement mais غادي نوصلوا دابا للتمثيل البياني الرسم البياني ديالهم on le fait que pour des variables quantitatives mais كنعملوه غير pour une variable quantitative on ne le fait pas pour une variable qualitative ordinale ça n'a pas d'utilité mais كنستافدو منه والو صافي Maintenant, cette courbe cumulative, elle est dite ascendante. Ascendante, il est là. L'axe de descendante, il est là. La courbe, elle est dite ascendante dans le cas des effectifs et des fréquences cumulées croissants. Et elle est dite descendante dans le cas contraire. On va y revenir. Donc, on va essayer de construire les courbes cumulatives dans le cas d'une variable discrète. Donc, les courbes cumulatives d'une variable discrète. Parfait. Et on reprend notre exemple. L'exemple ici du besoin mensuel des étudiants en volume de données. Ça fait. Nous avons déjà construit le tableau statistique de cette variable. Le tableau statistique que vous avez ici, nous l'avons déjà calculé précédemment. Oui, merci. Donc, il y a un problème avec le PC. Je vais vous Voilà, donc il est tout là. Donc, ce tableau statistique que nous avons construit précédemment pour la variable discrète, le volume de données, donc on va le reprendre. On va le reprendre. Voilà. Donc, on l'a repris ici. Donc, vous avez les modalités. Nous avions les effectifs et les fréquences. Effectifs et fréquences cumulées. Ça fait. Donc là, regardez, donc j'ai mis toutes les lignes en vert. Et j'ai noté ici logique de construction. On doit comprendre ce que nous faisons les courbes cumulatives. Parce que si vous ne connaissez pas la logique de leur construction, vous risquez de commettre des erreurs. Et pour comprendre cette logique, donc on va travailler sur ce tableau. Et on va le modifier légèrement. On va partir de ce tableau et on va l'alimenter. Donc ce tableau, je l'ai transformé. Donc là, les lignes en vert, ce sont les lignes d'origine du tableau. Donc nous avions les modalités 10, 20, 30, 40 et 50. C'est ce que nous avons gardé ici en vert. 10, 20, 30, 40 et 50. Et qu'est-ce que nous avons fait ici dans ce tableau? On a imaginé toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est vrai? On les a imaginées. Est-ce que ces valeurs existaient dans mon tableau initial? Est-ce que les valeurs que j'ai imaginées en blanc, est-ce qu'elles existaient dans mon tableau initial? Par exemple, est-ce que j'ai une modalité 11? Dans mon tableau initial. Non. Non. Donc, en fait, dans le tableau ici, je l'ai imaginé. Il y a un trier ça. Ça fait. Donc, j'ai imaginé, par exemple, une valeur 11. Est-ce qu'elle existait dans le tableau initial? Non. Non. Ça veut dire quoi? Elle n'existait pas. Je ne sais pas. Ça veut dire que son effectif était égal à zéro. C'est... C'est la traduction statistique de n'existait pas.
Donc, quand on dit n existe pas, bien, n n'existe pas, ça veut dire son effectif est égal à 0. Ça fait? Par exemple, ici, on peut voir la valeur 19. Est-ce que dans mon tableau initial, j'avais une modalité 19? 19, j'en avais pas, mais qu'en est-ce? Donc, on va lui donner un effectif 0. Donc, essayez de vous concentrer sur cette première colonne des effectifs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce tableau? On a imaginé toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et vous allez voir pourquoi, même si la variable est discrète. Donc, toutes les valeurs qui existaient dans le tableau initial, on a gardé leurs effectifs. On va garder leurs effectifs 15, 17, 17, 20, 18, 23. Donc 15, 17, 17, 18, 23. Et pour le reste, on leur a affecté des effectifs nuls. Halchi n'est pas kamel, atteint un effectif 0. Même les valeurs qui n'ont pas de sens, des valeurs négatives. Est-ce qu'on peut dire un volume de données égal à moins 20? Un volume de données égal à moins 20 gigas. Non. Puisqu'on ne peut pas le dire, supposons que cette valeur existe. Moins 20 gigas. Si je vais chercher et compter, combien je vais trouver? Zéro. Je vais trouver zéro. Donc, en fait, le zéro que vous avez ici, le zéro que vous avez ici, il signifie deux choses. Ça veut dire ou bien ça signifie impossible, ou bien ça signifie simplement il n'existe pas. Donc une manière de dire en statistique, une manière de dire impossible, ou bien une manière de dire il n'existe pas, c'est de dire que son effectif est égal à zéro. C'est bien sûr, oui, oui. Donc maintenant, j'ai le droit d'imaginer n'importe quelle valeur de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Celles qui existent déjà, j'ai leurs effectifs. Celles qui n'existent pas ou qui sont impossibles, je leur affecte un effectif nul. T'as fait? Oui. Donc finalement, l'effectif total ne va pas changer. Si je calcule l'effectif total, est-ce qu'il va changer? Non, on a juste ajouté des zéros, l'effectif total ne va pas changer. Bien, pour cette première colonne. Passons maintenant à la deuxième colonne, celle des fréquences. Donc, pour la fréquence de 10, on l'a déjà calculée, c'est 15 divisé par 90 égale à 0,16. C'est la valeur que j'ai dans mon tableau initial. La fréquence de 20, c'est 0,19. Maintenant, si je veux calculer les fréquences des modalités que j'ai imaginées. Si je veux calculer leur fréquence, par définition, une fréquence, c'est un effectif divisé par l'effectif total. Si on divise 0 par l'effectif total, c'est 0. Effectif 0 par 0. Donc, toutes les modalités que j'ai imaginées, je peux calculer leur fréquence et leur fréquence est nulle. Parce que leur effectif est égal à 0 et 0 divisé par quelque chose, c'est 0. Est-ce que c'est clair pour ces deux premières colonnes? Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par la colonne des effectifs cumulés croissants, N+. Comment nous avons fait pour remplir cette colonne? Donc, rappelez-vous, lorsqu'il s'agit d'un effectif cumulé croissant, on va commencer, on va aller dans le sens croissant des modalités. Voici le sens croissant des modalités. Il va de 10 vers 50. Donc, on va additionner, on va cumuler les effectifs dans le sens croissant. Quel est le premier effectif? Je prends la première ligne 0. Le premier effectif, c'est 0. On le pose ici. Et on va commencer le calcul. 0 plus 0. 0. 0, etc. Et lorsqu'on arrive ici, donc 0 plus 15, c'est combien? 15. 15 plus 0. 0. 15. On va ajouter que 15. 10. À chaque fois, 0 plus 0, on n'aura que des 15. Jusqu'à 17. 15 plus 17. 32. 32.
32 plus 0. 32. Etc. etc. jusqu'à 17. 32 plus 17. 49. Voilà, donc 42 plus 0 c'est 49, plus 0 c'est 49, jusqu'à plus 18. C'est 67. Plus 0, 67, plus 0, 67, etc. jusqu'à 23. Donc 67 plus 23. 90. C'est 90. Et à partir de là, on n'ajoute que des zéros jusqu'à l'infini. Donc plus 0, c'est 90. Plus 0, c'est 90, etc. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Donc, puisqu'en fait, pour les valeurs imaginaires, elles ont des effectifs nuls, on n'a additionné que des zéros. Donc, regardez, ici, on avait 0, 0, 0, 0, jusqu'à arriver au premier effectif 15, on a un résultat 15. Puis, on n'ajoute que des zéros. Donc, on a 15, jusqu'à 17. Donc, 15 plus 17, c'est 32. Et donc, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois, on n'ajoute que des zéros. Donc, 32 plus 0, on a une même valeur. 32, 32. Et on continue. Donc, qu'est-ce que vous remarquez sur cette première colonne? Donc, il y a un ensemble de remarques à tirer ici. À noter. Quelle colonne les N+, celle qu'on vient de remplir. N+. C'est quelle est la sous-titrage de l'effectif qui est passé à la fin de la fin. C'est stable. Lorsque tu as passé à ça ou à l'intérieur? Là, je suis passé à la fin. Ça veut dire lorsqu'on arrive à la dernière modalité, 50. À partir de la dernière modalité, les 50, regardez, la dernière modalité, c'est 50, c'est-à-dire le khriya. Donc, à partir de la dernière modalité, plus l'infini, j'ai la même valeur, 90, 90, 90. Et 90, en vérité, qu'est-ce que ça représente ici? L'effectif total. C'est une. L'effectif total. Enfin, bien, ça, c'est bon, c'est bien pour cette première remarque. Une autre remarque. Je ne sais pas si tu as dit. Une augmentation. Voilà, donc vous avez des valeurs qui augmentent. Donc on va de 0, 15, 32, 49, 62, 90. Donc en fait, c'est quelque chose qui monte. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ben regardez, à partir de la dernière modalité, on a la même valeur. C'est l'effectif total, 90-90. De l'autre côté, avant d'arriver à la première modalité, la première modalité, puisqu'on a additionné que des zéros, j'ai que des zéros avant d'arriver à la première modalité. Donc, avant d'arriver à la première modalité, j'ai que des zéros. Et à partir de la dernière modalité, j'ai une valeur égale à l'effectif total. Les valeurs, elles sont croissantes. Elles vont de 0, 15, 32, 49, 67, 90. Et dernière remarque, qu'est-ce que vous remarquez aussi? Qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'entre deux modalités, consécutives, il y a juste le même tabé. Regardez. Ici, vous avez les modalités consécutives. Vous avez 20 qui suit 10. Donc 10 et 20 sont deux valeurs consécutives. 20 et 30 sont deux valeurs consécutives. 30 et 40 sont deux valeurs consécutives. Remarquez entre deux valeurs consécutives. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la même valeur. Vous avez une valeur constante, 15, 15 et 15. Regardez entre 20 et 30, vous avez une autre valeur constante, 32 et 32, regardez entre 40, 49 et 49. Donc ici, en fait, c'est parce que je n'ai pas d'espace, j'ai pris un petit tableau. Vous pouvez faire un exercice chez vous, prenez le tableau sur une feuille de papier et élargissez-le. Donc vous allez
constaté quatre remarques. La première remarque, c'est que avant d'arriver à notre première modalité c'est 10. J'ai que des zéros. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, à partir de la dernière modalité 50, regardez, dernière modalité c'est 50, à partir de la dernière modalité, j'ai que une valeur égale à l'effectif total. Troisième remarque, c'est que les valeurs, elles sont croissantes. 0, 15, 32, 49, 67, 90. Et quatrième remarque, c'est qu'entre deux valeurs consécutives, eh bien, juste dire qu'il y a même tabé, vous avez une valeur constante. 15, 15, 32, 32, 49, 49, 67, 67. C'est bon? Vous avez le cadre ou là? Bien. Oui, merci. On va faire le même exercice maintenant sur les N mois. On va calculer les effectifs cumulés décroissants, les N mois. Et je vous ai dit, lorsqu'il s'agit des effectifs cumulés décroissants, je vous conseille de partir de la dernière ligne et d'additionner les effectifs dans un sens décroissant en montant. Ça veut dire que je vais prendre le dernier effectif, 0. Plus 0, c'est 0. 0. Plus 23, c'est 23. 23. Et 23 plus 0. 23. 23. 23 plus 0, 23. 23. Plus 18. 41. 41. 41 plus 0, 41. Plus 0, 41. Donc, et on continue. Donc, 41 plus 0, 41. Plus 0, 41. Jusqu'à 17. Donc, 41 plus 17, c'est 58. 58 plus 0, 58. Plus 0, 58. Plus 17. 75, plus 0, 75, plus 0, 75, plus 15, 90, plus 0, 90, plus 0, 90. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Donc là encore, nous avons quatre remarques comme précédemment. Qu'est-ce que vous remarquez avant d'arriver à la première modalité? Lorsqu'il s'agissait d'un effectif cumulé croissant, avant d'arriver à la première modalité, j'ai que des valeurs nulles. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un effectif cumulé décroissant, la logique va s'inverser. Je vais vous dire qu'il y a un moins. Donc, avant d'arriver, voilà, donc, puisqu'on a moins, donc la logique va s'inverser. Avant d'arriver à la première modalité, qu'est-ce que vous constatez? Je n'ai rien dit là. Que des valeurs 90 égales à l'effectif. Monsieur. Oui. Monsieur. Mais logiquement, logiquement, ça veut dire quoi, monsieur? Non, non, on va voir par la suite. Maintenant, juste, okay. Je vous donne juste une première... comment remplir, comment calculer ces éléments. Par la okay, suite, on verra leur interprétation. Qu'est-ce qu'ils signifient? Ça fait? Ça fait, on est juste en train... Parce qu'il y a une autre méthode. J'aurais pu vous présenter ces courbes cumulatives sous forme mathématique. Ces courbes cumulatives, en vérité, ce sont la représentation graphique d'une fonction mathématique. Mais je voulais, je le faisais les premières années, ça posait des difficultés aux étudiants, et j'ai remplacé cette méthode mathématique par ce tableau. Qu'est-ce qu'on fait? Okay. Donc ça veut dire qu'on commence par remplir le tableau par des valeurs imaginaires qui n'ont pas de sens, on construit le tableau et on remarque certaines choses. Lorsqu'on a fini avec les effectifs cumulés croissants, qu'est-ce que nous avions remarqué? Quatre choses. Avant d'arriver à la première modalité, nous avions que des valeurs nulles. À partir de la dernière modalité, que des valeurs égales à l'effectif total. Nous avions remarqué que les valeurs sont croissantes. Et qu'entre deux valeurs consécutives, les valeurs se stabilisent, elles sont constantes. Maintenant, on vient de calculer les effectifs cumulés décroissants. On est parti de la dernière ligne vers la première. Et qu'est-ce qu'on remarque? Là encore, on va constater quatre choses. Avant d'arriver à la première modalité, nous avions une valeur égale à l'effectif total. Total. À partir de la dernière modalité, nous avions que des valeurs nulles. Entre deux modalités consécutives, nous avons des valeurs constantes, 75, 75.
58, 58, 41, 41, 23, 23. Et en plus, les valeurs, elles vont de 90 vers 0 de manière décroissante. 90, 75, 58, 41, 23 et 0. Safi, fais-tu le cas d'hier? Maintenant, ce qu'on vient de dire sur les effectifs cumulés croissants et décroissants, on peut le dire sur les fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Donc, on calcule de la même manière et on remarque les quatre remarques. Regardez. Pour l'effectif cumulé croissant, qu'est-ce qu'on a dit? Avant d'arriver à la première modalité, j'avais que des zéros. Ceci est valable pour les fréquences cumulées croissantes. Avant d'arriver à la première modalité, j'ai que des zéros. Pour l'effectif cumulé croissant, à partir de la dernière modalité, nous avions que des 90, des valeurs égales à l'effectif total. Pour la fréquence cumulée croissante, à partir de la dernière modalité, j'ai que des valeurs égales à 1. 1, c'est la somme des fréquences. Ça fait ? Les valeurs, elles sont croissantes. Elles vont de 0, 0,16, 0,35, 0,54, 0,74. Et entre deux valeurs consécutives, j'ai une valeur constante, 0,16, 0,16, 0,35, 0,35, etc. Ça fait. Donc, ce qu'on a dit sur les effectifs, ou bien les remarques faites sur les effectifs cumulés croissants, on les retrouve pour la fréquence cumulée croissante. Et ce qu'on a dit sur les effectifs cumulés décroissants est valable pour la fréquence cumulée décroissante. Est-ce que maintenant vous avez compris ce tableau? Comment on le calcule et les remarques que nous avons émises? Oui. Oui. Bien, donc en fait, cette méthode maintenant, on va la traduire graphiquement. Et donc, on va le traduire d'abord sur les N+, les effectifs cumulés croissants, on va représenter graphiquement cette colonne. Après. Donc regardez, qu'est-ce que je vous ai dit ici? Donc la logique de la construction, il faut d'abord commencer par imaginer toutes les valeurs xi de l'ensemble R, toute la variable x. Y compris celle démunie de sens. Quand on dit moins 20 giga, ça n'a pas de sens, mais pourtant on l'intègre. On verra par la suite pourquoi. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons attribué des effectifs nuls aux valeurs ne faisant pas partie des modalités de x. Les modalités de x sont 10, 20, 30, 40 et 50. C'est ce que j'ai gardé en vert. Mais toutes les valeurs qui ne sont pas des modalités de x, ce qui est en blanc, on leur a attribué des valeurs zéro, les valeurs qui n'existaient pas. Ça, c'est l'objet de la deuxième ligne. Troisième chose, il faut compléter le tableau statistique. Ça veut dire qu'il faut calculer maintenant le reste des éléments. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, la logique de construction, le mantère des rasm de Mulhana, voici donc le tableau. Voici comment procéder. Trois étapes. Imaginez toutes les valeurs possibles de R, même si elles n'ont pas de valeur, de sens. Leur donner, celles qui n'ont pas de valeur, de sens, on leur donne un effectif nul et on complète le tableau. Qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est ce que je vous ai noté ici. Regardez, donc les effectifs et les fréquences cumulées sont constants entre deux modalités consécutives. Après la première modalité, ou bien avant la première modalité, les effectifs et les fréquences cumulées croissantes sont nuls. Après la dernière modalité, les effectifs et les fréquences cumulées décroissantes sont nuls, etc. etc. Donc, ce que nous avons dit, je voulais noter ici. Ça fait? Maintenant, traduisons ceci graphiquement et représentant graphiquement les Ni+. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, j'ai repris ici la colonne des Ni+. J'ai repris donc l'effectif cumulé croissant de la modalité 10
on a trouvé qu'il était égal à 15. Donc, regardez. Donc, l'effectif cumulé croissant de 10, c'est 15. L'effectif cumulé croissant de 20, c'est 32. Donc, j'ai repris les éléments. Donc, l'effectif cumulé de 10, c'est 15. L'effectif cumulé croissant de 20, c'est 32. L'effectif cumulé croissant de 30, c'est 49, etc. Donc, la première étape dans la construction de notre courbe cumulative, donc on va mettre sur l'axe horizontal le volume de données, 10, 20, 30, 40 et 50, et sur l'axe vertical, les NI+, parce qu'on va représenter graphiquement les effectifs cumulés croissants. La première étape, on va tracer, on va positionner les points de coordonnées XI, NI+. XI, NI+. Où est-ce qu'on va chercher ces valeurs? Voici les XI et voici les NI+. On va commencer par positionner le premier point de coordonnées 10, 15. النقطه اللي الاحداث ديالها 10 15 10 15 صافي. Voici notre premier point. On positionne le deuxième point de coordonnées 20 32 20 32. Troisième point de coordonnées 30 49 30 49. Quatrième point de coordonnées 40 67 40 67. Dernier point de coordonnées 50-90, 50-90. Ça, c'est la première étape. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, oui. Oui, j'ai compris. Bien. La deuxième étape, qu'est-ce que nous avons remarqué? On a dit que avant d'arriver à la première modalité pour les N+, avant d'arriver à 10, j'avais que des zéros jusqu'à moins l'infini. J'avais que des zéros partout. Rappelez-vous, pour les N+, avant d'arriver à la première modalité 10, on n'avait que des zéros. Et à partir de la dernière modalité qui est 50, on n'avait que des valeurs égales à 90. On va traduire ceci graphiquement. Avant d'arriver à la première modalité 10, nous avions que des valeurs nulles. Et à partir de la dernière modalité 50, nous avions que des valeurs égales à l'effectif total 90. Ça veut dire qu'on va tracer deux demi-droites. Donc la première, elle va de moins 10, de 10 jusqu'à moins l'infini, elle ne s'arrête pas. Et la deuxième, elle va de 50 jusqu'à l'infini, elle ne s'arrête pas, elle a une image de 90. Ça fait? Pourquoi en fait? Est-ce qu'on a le droit de faire ceci? On a simplement traduit les remarques que nous avons faites sur le tableau ici. اي حاجه كنا كنلاحظوها في داك الجدول احتفظنا بها هنايا صافي. Donc on a dit avant d'arriver à la première modalité j'ai que des valeurs nulles, après la dernière modalité j'ai que des valeurs égales à l'effectif total 90. Les valeurs, elles sont croissantes, on voit bien que les valeurs sont croissantes. Qu'est-ce qui reste entre deux valeurs consécutives? Les valeurs sont stables, ça veut dire entre 10 et 20 je dois avoir quelque chose de constant. Entre 20 et 30, quelque chose de constant, comme ici. Donc, entre 20 et 10, j'ai des valeurs constantes. Entre 20 et 30, j'ai des valeurs constantes. Vous voyez bien que j'ai un segment horizontal. Entre 20, 10 et 20, j'ai toujours la valeur 15. Si vous reprenez le tableau, entre 10 et 20, j'ai toujours la même valeur 15. Entre 10 et 20, entre 10 et 20, j'ai toujours la même valeur 15. Ça fait? Donc, entre 10 et 20, j'ai toujours la même valeur 15. Et entre 20 et 30, j'ai toujours la même valeur 32. Entre 20 et 30, j'ai toujours la valeur 32, la même valeur 32. Et entre 30 et 40, j'ai toujours la même valeur 49. Entre 30 et 40, j'ai toujours la même valeur, 49, etc. Et donc, de cette manière, on a complété notre graphique. Est-ce que vous avez compris ces étapes? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, trois étapes. La première étape,
il faut commencer par positionner les points de coordonnées x, y, n, y+. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut tracer les demi-droites extrêmes. Et les mots s'attarifent, qui n'ont trop fait, j'aime. Donc, ce sont des demi-droites. Demi-droites, elle est moussaqib. Il va jusqu'à plus l'infini à droite et jusqu'à moins l'infini à gauche. Troisième étape, il faut tracer les segments intermédiaires. J'ai appelé ceci des segments intermédiaires. Il y a juste bénir, intermédiaire et l'ouest. Ça fait? Maintenant, juste une remarque dans la pratique, dans les exercices. Vous allez avoir un doute. Est-ce que le segment de droite, je vais le mettre à droite du point ou bien sur sa gauche? Donc, parce que ça dépend. Voilà, en fait, lorsqu'il s'agit des effectifs cumulés croissants, il faut le mettre à droite. Une astuce, c'est que. À quoi ressemble ce dessin? Et donc là, ça ressemble à des escaliers. Là, vous avez des aiguilles. Donc, pour ne pas vous faire mal, il faut renverser les aiguilles. Donc, si vous montez maintenant les marches, vous n'allez pas vous blesser. C'est de cette manière que vous n'allez pas commettre d'erreur. Parce que parfois, surtout le jour de l'examen, on se perd. On ne sait pas s'il faut les mettre à droite ou à gauche. Donc, gardez cette logique. J'ai des marches de droge. Je vais les monter. Je rencontre des aiguilles. Il faut les inverser. C'est bon? Monsieur, oui. شوف بالنسبه لا برونش ديال ان اي بلس ملي كنديروا 15 ما كنحسبوا مثلا 10 اولا يعني ماشي ضروري اننا نديروا كونتينيو يعني نديروا 15 32 43 غير هادو جوست هادو اللي عندنا هنايا لا دابا هنايا شي بخي ان فيت هذا اللي تكلمت عليه كتقصدي السلم كيفاش غادي نعملوا السلم واش دونك ان فيت ici vous avez le choix lorsqu'il s'agit de l'échelle de l'axe vertical ou bien horizontal. En fait, vous pouvez ou bien juste mettre les valeurs correspondantes pour ne pas charger le graphique. Sinon, vous pouvez mettre comme une règle, toutes les valeurs, et il suffit de lire en face. Vous avez le choix. Ça fait? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. Bien. Donc, regardez. Maintenant, je vais reprendre le tableau statistique. Monsieur, j'ai une question. Allez-y, avec les machins négatifs, il y a 0, mais quand même, il y a un négatif ou un voilà, donc en fait, pourquoi finalement, ce qui est le cas, c'est que je n'ai pas de temps. Ou un négatif, je n'ai pas de temps. Qu'est-ce que c'est? Donc la question posée, c'est pourquoi nous avons ajouté des valeurs négatives de 0. Donc, à gauche, ce sont des valeurs négatives, moins 10, moins 20, moins 30, alors que normalement, on n'avait pas ces valeurs. C'est ce qu'il y a. En fait, voilà. Donc, pour répondre à cette question, je vais reprendre le tableau statistique. Je vais reprendre le tableau statistique et je reprends la colonne des effectifs cumulés croissants. Donc, on a dit, par exemple, si je vous pose une question, quel est le nombre d'étudiants qui ont déclaré avoir besoin d'au plus 20 gigas par mois? Donc, on a dit nombre étudiants au plus. Voilà, donc nombre au plus, on va chercher la réponse dans les N+. On croise avec 20 32. Et la réponse c'est 32. Donc cette réponse elle est directement disponible dans notre tableau. Maintenant imaginez dans la réalité,
Il y a des étudiants, par exemple, qui ont besoin de 25 gigas par mois, ou non. Il y a des gens qui ont besoin de 25 gigas par mois, ou non. Il y a des gens qui ont besoin de 25. Ça fait. Donc, dans la réalité, il y a des gens qui ont, par exemple, besoin de 25 gigas. Machin, 25. Donc, quel est leur nombre? Si je vous pose maintenant une question, maintenant d'abord, quel est le nombre d'étudiants qui ont déclaré avoir besoin d'au plus 25 gigas de données par mois? Est-ce que cette réponse est disponible dans ce tableau? Non. D'accord. Donc, en fait, les limites, nous avions vu ça la dernière fois, la limite d'un tableau statistique, c'est que malheureusement, il ne donne pas toutes les réponses possibles, ou bien les réponses à toutes les questions que l'on peut se poser. En revanche, si vous reprenez un graphique, voici le graphique. Maintenant, je vous pose cette question. Quel est le nombre d'étudiants qui déclare avoir besoin d'au plus 25 gigas par mois? Est-ce qu'on peut répondre à partir de ce graphique? Au plus 25, ça veut dire en fait, je vais chercher la valeur 25 qui se trouve entre 20 et 30, et on va se projeter, on va faire une projection sur la courbe, et j'ai bien une valeur, c'est 32. J'ai une réponse qui est de 32. Ça fait donc à partir de ce graphique, on peut se poser n'importe quelle question et on peut y répondre. N'importe, il n'y a qu'un seul à trier le l'âge. Parce que je peux prendre toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, même si elles n'ont pas de sens. Mais je peux trouver, je peux y répondre. Femme-tu cette question ou cette différence? Oui, monsieur. Donc, regardez, par exemple, maintenant, si je prends, je vous pose une question qui n'a pas de sens. Quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au plus moins 10 gigas par mois? Moins 10, ça va être là. Zéro. Voilà, donc, à partir de ce graphique, j'ai la réponse, c'est zéro. En fait, c'est une autre manière de dire que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Ça fait? Vous m'avez dit ou non? Oui. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un tableau statistique, cette réponse elle n'est pas disponible. Cette réponse n'est pas fournie par le tableau statistique. Le tableau statistique, il donne juste les réponses pour 10, 20, 30, 40 et 50. Mais pour les autres valeurs, quelles sont les légitimes ou non? Donc, le qiyam okhra. Le graphique donne la réponse. Même si, en fait, il peut répondre même à des questions qui sont impossibles. Quand on vient de dire le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au plus moins 10, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça veut dire normalement, si je vais compter ces étudiants, combien je vais trouver? Il n'y a pas de talabash. Donc, je dois trouver 0 et c'est bien la réponse donnée par le graphique. Ça fait? Maintenant, si je vous dis quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au plus 1000 gigas par mois. C'est une bande supérieure. 1000 gigas par mois. Fin qu'il y a 1000 gigas. 80, monsieur. 50. 1000 gigas, c'est supérieur à 50. 1000 gigas. Donc, si je vais projeter sur la courbe, on va lire 90. 90. En fait, 90 étudiants répondent avoir besoin d'au plus 1000 gigas. Au plus 1000 gigas, l'acteur 1000 gigas. En fait, ça veut dire que ce sont les étudiants qui préfèrent au plus 50. Mais pour le reste, il y a 0. Ça fait. Donc, si ce n'est pas clair, donc on va commencer bientôt les TD, donc on fera des exercices pour que ce soit encore plus clair. Donc maintenant, comment interpréter ce résultat, donc le NI+, que nous avons représenté ici? Donc c'est le nombre d'individus qui ont au plus la modalité XI. Ça fait. Cette courbe, j'ai encore un problème ici.
Regardez par exemple en face de 30 sur la courbe. Quelle est l'image de 30? Quelle est l'image de la valeur 30? Regardez, j'ai deux valeurs. En face de 30, j'ai 49 et j'ai 32. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Il y a deux images. 30 à deux images. 20 à deux images. 32 et 15. 10 à deux images. Ça fait? L'achetouchi ou là? Mathématiquement, ceci pose problème. Pourquoi? En mathématiques, une fonction ne peut pas avoir plus d'une image. Un point ne peut pas avoir plus d'une image. Je vais vous présenter ça sur un tableau blanc. Voilà. Donc, on va voir ça sur un graphique. Partager, nouveau partage, partager le tableau blanc. En analyse mathématique, nous avons dit que nous avons dit que vous avez ici l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Faire ça doucement. Donc, vous avez ici l'axe des abscisses et vous avez l'axe des ordonnées. Ça fait? Donc, lorsque vous tracez la courbe d'une fonction, si vous prenez ici, vous avez les x et là, vous avez l'image f de x. Prenez ce point. Que je vais appeler x0. Quelle est son image par la fonction fx? Voilà, donc on va se projeter sur la courbe et on va lire en face et l'image c'est f0. Ça fait. Regardez ce point particulier que je vais mettre en rouge. Quelle est l'image de ce point que je vais appeler x1? Donc en fait, le point x1 n'a pas d'image. Ça fait? Oui. Le point x0, il a une seule oui. image. Le courbe, c'est de f. Qui fait? Donc, oui. En fait, parce que c'est comme si on avait le domaine de... La courbe, c'est de f n'a pas continué en haut. En fait, c'est le domaine de définition. Le mot, c'est le domaine. X1 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Donc, il n'a pas d'image. Donc en fait, en analyse mathématique ou bien en mathématiques en général, chaque point x, il a ou bien une image comme x0, ou bien il n'a pas d'image. Ça fait. Mais est-ce que vous avez déjà vu une fonction qui ressemble à celle-ci? Monsieur Stam. Bon, donc est-ce que dans une analyse mathématique, donc ici fx et f de x, est-ce que vous avez déjà vu une fonction qui ressemble à ça? Ça veut dire en fait le point x0 que vous avez ici, il a plusieurs images. Est-ce que vous avez déjà rencontré donc une fonction telle que il existe un point x0 qui a plusieurs images? Ceci est impossible, ce n'est pas une fonction. Donc, une fonction, elle est définie lorsque
Pour chaque point X, il a ou bien une image, ou bien il n'en a pas. Mais il ne peut pas avoir plus d'une image. Ben reprenons maintenant ce qu'on était en train de dire. Il a dit ce qu'on a dit. Donc reprenons ce que nous étions en train de dire. Ben, si vous prenez la valeur 20, quelle est l'image de 20 par cette fonction, par cette courbe? Donc regardez, 20, elle a deux images. Elle a 15 et 32. Ça fait? Regardez 30, elle a deux images. 32 et 49. 40, elle a deux images. 49 et 67. On a dit ceci est problématique en mathématiques. Ceci n'est pas défini en maths. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va exclure, par exemple, pour la valeur 20, on va lire le point. On va lire la valeur qui correspond au point. C'est 32 qui correspond à 20. Ça fait? Donc, on va lire le point. Lorsqu'on va prendre la valeur 30, j'ai deux valeurs, mais celle qui me concerne, c'est le point. Et en fait, qu'est-ce qu'on est ici? On appelle cette fonction une fonction, regardez, la courbe cumulative. Donc on appelle cette courbe déjà une courbe cumulative ascendante, des effectifs. Donc elle est la représentation graphique d'une fonction qu'on appelle CADLAG. CADLAG, en fait, ça veut dire continue à droite, limite à gauche. Qu'est-ce qu'elle signifie continue à droite? Ça veut dire, si je prends le point 20 et je me mets sur sa droite, le point, il est continu, il fait partie de la courbe. Et si je me mets à gauche, le point ne fait pas partie de la courbe, il s'approche. C'est une limite. Je répète. Prenez tous les points, le point 40 par exemple. Sur sa droite, donc à droite, j'ai un point. Donc, du côté, quand je m'approche du côté droit, il a plus qu'un 40, si je m'approche de la valeur 40, du côté droit. Donc, en fait, le point, il fait partie de la courbe. On dit que la fonction est continue en ce point. Si je m'approche de 40, du côté gauche, le point est exclu. En fait, on s'approche de cette valeur, mais le point est exclu. C'est une limite. Donc là, j'ai une continuité à droite et j'ai une limite à gauche. On appelle ceci une fonction continue à droite, limite à gauche. Et pour la résumer, on prend juste les premières lettres. C, A, D, L, A, D. On appelle ça la fonction CADLAG, continue à droite, limite à gauche. Ça fait une sorte de CADLAG ou là? Oui. Donc en fait, ce qu'on vient de représenter ici, c'est une courbe cumulative. Elle est ascendante. C'est une courbe cumulative des effectifs parce que j'ai représenté les effectifs. Donc, c'est une fonction qui est CADLAG. Elle est continue à droite, limite à gauche. Pourquoi? Parce que sinon, pour une valeur, j'ai deux images et ceci n'est pas possible en mathématiques. Donc, il faut exclure l'une des images. Donc, on appelle ce qu'on obtient ici une fonction CADLAG, continue à droite, limite à gauche. Elle est définie sur l'ensemble R. Ça veut dire, quel que soit x de r, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, vous pouvez toujours lire une image. Ça fait, quelle que soit la valeur que vous pouvez imaginer, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, vous pouvez trouver une valeur. Peu importe si cette valeur de x a un sens ou non. Mais ce qui est important, c'est que la valeur de x a un sens ou non. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez imaginer un nombre de x a un sens ou non. Ça fait? Donc, c'est une courbe dans CADLAG définie sur R, elle est non décroissante. Pourquoi on dit non décroissante? Au lieu de dire elle est croissante, est-ce que cette fonction est croissante? La fonction, est-ce qu'elle est croissante? Oui. En fait, pas tout à fait. Mais si c'est même, elle croît, mais elle se stabilise. Ça fait? Ce genre de fonction, on dit qu'elles sont non décroissantes. Est-ce que cette fonction décroît? Cette fonction, elle ne décroît jamais. Mais en même temps, elle n'est pas strictement croissante. Parce qu'elle se stabilise. Ce genre de fonction, on dit qu'elle est non décroissante. Non décroissante.
Et à valeur, dans, elle prend ses valeurs, les images, dans l'intervalle 0n. Regardez les images. Les images, soit, elles sont comprises entre 0 et 90, qui représentent l'effectif total. Ça fait. Cette remarque, en fait, je l'ai ajoutée. Donc, vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de la retenir. Mais je vous conseille de la comprendre. Parce que la courbe qu'on vient de représenter ici, qu'on a appelée une courbe cumulative ascendante des effectifs, c'est ce qu'on appelle en probabilité une fonction de répartition. Elle est très, très utile en probabilité. Ça fait? Est-ce que vous avez compris la logique de construction de cette courbe? Oui, c'est une question. D'accord, donc voilà, donc très simple. Quelle est votre question? C'est de qui connaît N plus. N plus, vous aurez toujours cette forme, Damon. Dans le cas discret d'une variable, regardez ici, courbe cumulative d'une variable discrète, dans le cas discret uniquement. On verra comment cette courbe se présente dans le cas d'une variable continue. Elle est légèrement différente. Maintenant, donc, puisqu'on va s'arrêter, la prochaine fois, on va voir la courbe cumulative d'une variable discrète mais pour les n moins. Et vous, donc là, vous avez le résultat, donc il est déjà là. Ça fait. Mais comment on va arriver à ce résultat? C'est en procédant, on va essayer de comprendre le tableau. Donc, on va reprendre les remarques. Donc, vous pouvez d'ici là, donc nous sommes vendredi, donc d'ici à lundi, donc, ce que nous avons fait, donc nous avons rempli le tableau, nous avons constaté que les N+, elle va de 0, les effectifs cumulés croissants, ils vont de 0 jusqu'à 100 de manière croissante, se stabilisent entre deux valeurs, etc. Reprenez les remarques que nous avons faites sur N+, pour construire la courbe de N-. خرجنا بواحد المجموعه ديال الملاحظات على ان بلس وانطلاقا من هذوك الملاحظات رسمنا هذا المنحنى ce graphique on l'a construit sur la base des remarques que nous avons notées pour n plus. Maintenant pour la prochaine fois ce que vous allez faire, vous allez à partir des remarques que nous avons notées sur n moins, sur f moins et sur f plus, vous allez construire leur. Le résultat, il est déjà là, donc je vous ai donné le résultat, mais essayez de le préparer pour bien comprendre la prochaine fois et préparer en même temps vos questions. Ça fait oui, monsieur, merci. Oui, monsieur. Donc, pour la question, je vais vous dire que vous avez une question. Je vais vous dire que vous avez une question. ولكن ماشي مشكل دونك نتمنى هادشي يكون واضح دونك ريفيزي لو ديسي لاندي بريباري فو كيسيون اي اون كونتينيوا نوتر كور لاندي داك علي بون بو ويكاند ا توس ميرسي داكور مسيو ميرسي او revoir.